Alors, ça me fait très plaisir de vous accueillir à la bibliothèque, d'autant plus que j'ai le sentiment de vous accueillir un peu chez moi. Hein? Montmorency, c'est ma maison. Je suis un meuble meublant de cette institution. Daniel, vous a précisé le déroulement de la soirée. Tout de suite, ben, je vous mets en appétit, mais j'ai l'impression que l'appétit est déjà là. Je vais vous tracer un portrait succinct de notre invité qui me suit. Ben oui, mais j'ai dit succès, hein? Bon. Alors, elle est née à Saigon. Ça, on s'en doutait. Oui. Ben, c'est ça, OK. Elle est née en 1968 dans un Vietnam déchiré par la guerre. 10 ans plus tard, avec ses parents et ses deux frères, comme des milliers d'autres, elle quitte son pays avec au cœur l'espoir et la confiance. Ça ne fait pas la confiance. Ben, vous deviez avoir la confiance que ça irait mieux. Non. Quand on est parti, on était certain. En fait, on pourrait dire, je vais reprendre le micro, parce que vous êtes très loin. Non, on n'est pas parti avec la confiance parce que quand on savait que la plupart des bateaux coulaient. Oui, ça c'est clair, mais donc, quand on a le bon étoile. Non, on ne croyait pas non plus aux bonnes étoiles. Donc c'est pour ça que mon père avait des pilules de cyanure. Oui. Parce qu'on était certain de périr en fait. Selon les dires, parce que c'est pas archivé, il n'y a pas de statistiques. Mais selon les dires, c'est qu'il y a peut-être 70% des bateaux qui ont coulé pendant toutes ces traversées-là. Donc, on avait moins que 50%. C'était pas 50%, c'était pas 50-50 de vie ou de mort, mais c'était vraiment, on avait plus de chances de mourir que d'arriver quelque part. Donc, je vous dirais, on est parti sans confiance. Alors, écoutez, je vais quand même le rattraper. Puis là, elle ne pourra pas me contredire, c'est clair. Ceux qu'on a appelés les boat people affrontaient l'imprévisible jusqu'à la savoir. Oui, tout à fait. Avec courage, un grand C. Ouf! Je dirais qu'on n'avait pas de courage parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Et il y avait même des bateaux qui ont quitté le Vietnam et qui se sont retrouvés sur les rives vietnamiennes après une semaine en mer parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils s'en allaient. Dans notre cas, nous, le capitaine, c'était un pêcheur, tout simplement. Donc, après 2 jours, même pas 2 jours, après la première journée, je crois, parce que lui, normalement, il faisait de la pêche près de la rive. Il n'allait jamais en haute mer. Et donc, une fois qu'il avait dépassé une certaine ligne où il disait que quand il voyait que les îles s'enlignaient, ben, il retournait à la rive. Et dans notre cas, nous, alors après la première journée, il dit, bon, voilà, on a dépassé la ligne et il ne savait plus où est-ce qu'il s'en allait. Donc, il a demandé aux gens sur le bateau, si quelqu'un voulait prendre la barre, ben, il laissait le bateau. Et nous, c'était vraiment par hasard, dans notre cas, nous, parce qu'on a essayé de partir une autre fois avant, et parce que c'était un plus petit bateau juste avec 2 familles, donc tous les adultes devaient apprendre à naviguer un tout petit peu, donc à lire les boussoles, lire les étoiles, ou je ne sais pas trop quoi, mais mes parents avaient appris, et on était obligés de l'apprendre. Mon père a pris la barre, mais il n'avait jamais navigué de sa vie. Et ce capitaine-là n'avait même pas de boussole. Mon père avait une petite boussole, puis il a visé tout simplement le plein sud. Parce qu'on savait que le plein sud, à partir du Vietnam, était nécessairement la Thaïlande ou la Malaisie ou l'Indonésie. Donc on a tout simplement visé le plein sud. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Malaisie sans savoir que c'était la Malaisie. Donc, je vous dirais... C'était Malaisie de savoir. Oui. Donc, je ne sais pas si c'était du courage ou tout simplement un instinct de survie. Je pense qu'on dit souvent que je suis résiliente, mais je ne le suis pas du tout. Elle n'a pas lu mes notes avant, hein? Elle n'a pas voulu, elle a refusé. Non, mais on n'a pas été résiliente. C'était vraiment... un instinct de survie. Et je suis née vraiment avec beaucoup d'allergies, vraiment le poisson, le fruit de mer, le lait. Je vous dirais même quand le vent soufflait, j'enflais de la même façon que quand il faisait froid, j'enflais. Et au Vietnam, quand on parle de froid, c'est 32,
32, c'était froid. Donc, j'enflais. Et quand on a quitté le Vietnam, et après les 4 jours sur le bateau, le premier repas qu'on a reçu, on n'avait pas mangé sur le bateau, et le premier repas qu'on a reçu, c'était des sardines en boîte. Et j'ai mangé, parce qu'on avait très, très faim, et puis on n'avait pas le choix. De toute façon, c'était du riz et des sardines. Et il n'y en avait pas assez. Donc, si on ne mangeait pas tout de suite là, ben on ne mangeait pas encore pendant des jours. Donc, j'ai sauté là-dessus. Je ne sais pas trop si mes parents savaient, sans me le dire, ou ne voulaient pas le dire, ou bon, peu importe, mais il était 2 heures du matin, sans électricité, rien. Donc, on voyait tout simplement que c'était de la nourriture livrée par la Croix-Rouge. On a mangé, j'ai mangé, et j'ai pas eu de réaction à ce moment-là, puis j'en ai pas eu depuis 35 ans. Et après, dans le temps, on recevait des poissons 6 jours sur 7. C'était notre repas, et j'ai pas, c'est ça, je n'ai pas réagi jamais depuis. Donc, est-ce que c'est de la résilience? Je pense que non. Je pense que c'est vraiment l'instinct de survie, de telle façon que le corps s'est reprogrammé tout seul, de dire, ben, si tu manges pas, tu meurs. Là, c'est le moment. Je suis désolée, j'ai cet accent parce que j'ai passé la journée avec un journaliste français et parce que je ne maîtrise aucune des langues dont je parle et dont j'imite, je ne fais qu'imiter la personne en face de moi. Et voilà, ça donne ça après une journée avec un français. Et il était joli en plus. Je l'ai adopté. Et donc, j'ai encore l'accent, il va falloir. Bon, ça va prendre quelques minutes avant de pouvoir retourner dans un autre accent, votre accent en fait. Il faudrait que je vous écoute un petit peu plus et que j'arrête de parler. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai l'impression que quand je pourrais dire 10 mots de suite, là. Ah, ça va être. Alors, c'est en français qu'elle a grandi à Granby et qu'elle s'intègre à la vie québécoise. Après des études universitaires en linguistique, en traduction, elle décide de faire un baccalauréat en droit. Après avoir tenté de la couture, œuvré comme avocate, elle s'embarque dans la restauration. Méchant voyage. Partage son expérience culinaire à la radio et à la télévision. Restauration, quel genre de restauration? La restauration culinaire ou la restauration oui. De maison? Non, bien oui. Mais tu vois, son expérience culinaire, j'ai dit tout de suite après, voilà. Et pour finalement se consacrer à l'écriture en s'occupant de ses 2 enfants. Elle a publié son premier roman Rue à l'âge de 41 ans, roman qui connaît un succès qui dépasse largement les frontières du Québec. Finaliste de plusieurs prix littéraires, elle se mérite en 2010 le prix du gouverneur général. Il y en a qui passent 40 ans à l'attendre puis ils ne l'ont jamais. Pas juste. Il ne faut pas l'attendre. Je pense que c'est ça. Dans le cadre du Salon du Livre de Paris, elle décroche toujours en 2010 le Grand Prix RTL Lire et le Grand Prix du Salon du Livre de Montréal. Un second livre intitulé À toi est paru en 2011, je pense, oui. Et elle a été récemment présidente d'honneur du Salon du Livre de Trois-Rivières. Alors là, écoutez, laissez-la pas parler. Accueillez-la chaleureusement. En fait, le prix, j'allais dire le prix le plus sexy, mais en fait, non. Lequel? C'est en Italie. C'est le prix Mondello. En fait, j'ai pas gagné ce prix-là, mais le jury, bon, voulait souligner la présence de Rue, tout simplement parce qu'à ce moment-là, cette année-là, c'était 2011, je pense, ben, il y avait tout le problème de l'immigration illégale, bon, les bateaux qui arrivaient et tout ça, et ils voulaient souligner, en fait, mais utiliser Rue comme une excuse, en fait, pour parler d'immigration. Et donc, ils ont appelé ma maison d'édition en Italie pour dire, écoute, si Kim accepte de venir, ben on va créer un petit prix bidon pour qu'elle vienne. Donc, ils ont créé un prix bidon. Mais vous le soignez, est-ce que c'est en Italie qu'elle est? Écoute, ça, c'était la Banque de Sicile qui donnait le prix. Et le président de la Banque de Sicile a passé toute la journée avec nous, avec les lauréats.
Et c'est tellement drôle parce que j'ai l'impression, moi, d'avoir serré la main du Godfather himself. Non? C'est moi qui ai rencontré le Godfather. C'était le président de la Banque de Sicile, mais le prix sexy, je pense, c'était le prix à Monaco. Et ça, c'est, si on est un homme, je pense que ça vaut la peine. Parce que la limousine qu'on vous envoie à Nice pour vous chercher, parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Monaco, donc on vous envoie les limousines pour vous chercher à l'aéroport à Nice, et là, ce sont des femmes chauffeurs et non pas des hommes chauffeurs, toutes grandes, toutes belles, comme ça, de toutes les couleurs, blondes, rouges, asiatiques, enfin, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les gars choisissent. Je sais pas. Mais le pire, c'est que, bon, alors, elles sont toutes très bien habillées, avec un carré d'Hermès rose autour du cou, comme ça, avec les cheveux bien lissés. Et nous, on sortait de l'avion avec le vent qui allait dans tous les sens. Et moi, je pensais que c'était le vent. Alors, je me suis placée à côté d'elle pour que le vent souffle dans les cheveux dans le même sens, mais ça marchait pas, c'était quand même comme ça, à côté. Et le plus étonnant, c'est que, voilà, on s'installe dans ces limousines. Et elle commence à nous parler, à discuter avec nous. Et comme ça, elle m'a parlé de littérature et de Maupassant. Et Guy de Maupassant. Et tout ce que je sais, c'est comment l'épeler le nom de Guy de Maupassant, mais je n'avais jamais rien lu de Guy de Maupassant. Et quand on panique, ben, tout ce qui venait pour moi, c'était Maupassant, ben, mot de passe. C'est des associations d'idées. Complètement folle. Et donc, quand on est un homme et qu'on écrit, je pense que c'est très sexy d'avoir une très belle femme qui vous parle de littérature dans une limousine qui longe comme ça la mer de Nice jusqu'à Monaco. Donc, je vous suggère vraiment. C'est donc dans la maison d'édition de rue, là, ça va être bon. Oui. Autrement. Pour le prix du gouverneur général, quand ils m'ont appelé, puis ça, il faut que je vous le raconte, parce que, juste pour vous dire à quel point je ne m'y attendais pas, en fait, je ne les connaissais même pas. Oui, je savais que le prix du gouverneur général existait, mais c'est comme savoir que la Lune existe, mais on ne pense jamais y aller. En tout cas, moi, je ne suis pas vivre à liberté, donc je n'ai pas ce rêve-là, puis je ne saurais pas quoi faire sur la Lune. Sincèrement, si on m'envoyait là, je pense que je vais pleurer parce que qu'est-ce qu'on va faire sur la Lune? Ça prend beaucoup de connaissances et tout ça pour désirer la Lune. Et pour le prix du gouverneur général, c'était la même chose, je pense. Et le Conseil des arts, qui s'occupe du prix, m'a appelé un jour comme ça et je revenais d'une rencontre. Et je rentrais à la maison et j'étais en train de détacher ma jupe qui était trop petite. C'est une vieille jupe, mais que je garde parce que c'est un peu comme mon point de repère. Il ne faut pas que je sois plus grosse que cette jupe-là. Je suis déjà plus grosse que cette jupe-là, mais je la porte quand même juste pour me rappeler que j'ai grossi. Alors, j'étais en train de m'étouffer après les 2 heures dans la jupe. J'arrive et j'avais encore mes souliers, mais la jupe déjà détachée avec mes chemises qui explosaient. Et le téléphone sonne, je prends le téléphone. Et c'était le Conseil des arts qui a appelé et qui a dit « Bon, alors, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes la lauréate du prix du gouverneur général. » Et je suis restée, j'ai pas répondu parce que je ne savais pas c'était quoi lauréate. Je savais pas que ça voulait dire. Je pensais que c'était le gouverneur général, elle savait pas.